Salut la team, bienvenue sur CN Play pour la deuxième vidéo Hitman 3. Celle-ci évidemment sur Xbox Series X, comme vous l'avez vu dans le titre. Et eh bien, je vais jouer en tant que tout nu, son pseudo. On va regarder, à mon avis, il ne devrait pas y avoir des masses de différences avec cette version et la version PlayStation 5. De fait, on va regarder un petit peu les mêmes endroits qu'on a vus. Et si d'aventure vous aimez ça, peut-être on pourra avoir du streaming sur Hitman. On pourrait peut-être se faire une saga, on se refait les Hitman. Au niveau de l'intro, on peut bien la passer, puisqu'on l'a déjà vu, et ça ne reste que de la vidéo, évidemment. Vous voyez, c'est exactement identique. Là, par contre, j'ai vu du clipping là au début. Voilà, c'est parti. Alors, bon bah jusqu'à présent, on peut pas dire que je vois une grosse différence. On reste dans du très haut de gamme, hein. Je pense que, à part le chargement peut-être, qui est un peu plus, qui a fait un petit effet de clipping au début, mais peut-être parce que j'ai appuyé sur chargement, j'ai pas laissé loader correctement comme j'ai fait de l'autre côté puisque j'ai passé l'intro. Je me retrouve avec la même chose. C'est beau, hein. Ou quoi que ça se passe, c'est beau. Ouais, mais écoutez, parce qu'à présent je regarde. Ça, je vois pas de différence, chargement, visuel. C'est un travail de pro, hein. Bonjour toi. Tu sais que t'as la classe, avec ta cravate qui bouge. C'est moi qu'on peut voir l'arrière de la cravate en fait. J'avais l'impression. Non, c'était une impression. Après, vraiment, c'est dur de voir une différence. Pourtant, des fois, j'ai l'œil pour beaucoup de choses, comme j'ai pu remarquer le clipping au chargement, mais. Bah oui, visuellement, c'est du de l'identique. Vais pas le laisser terminer son speech, j'en ai rien à foutre, hein, mais. Shakespeare.
personal reception. If you can gain access to it, we might be able to recover useful intel from it. We'll have to work together to hack the system, but it's our best shot. Ouais, je vais pas le pousser, tout le monde va le voir. Merde, je l'ai déjà fait repérer. C'est une façon de tuer, donc il y aura cette façon. Comme ça, on le sait. Là, on peut se cacher ou cacher les corps, ok. Bah, plus je jouerai, plus je découvrirai, mais... Bon, là, évidemment, chasseur de succès que je suis. J'irai m'amuser. Wow. Ça c'est un truc qui m'énerve. C'est qu'on puisse pas courir avec le corps, le tirer plus vite. Des fois on a envie de se dépêcher et puis... Et puis c'est pas possible. Essayer d'en attraper un qui viendrait par ici. Lancer la pièce me semble être la seule solution. Oh, les piles de ma manette sont faibles, les pauvres. Il sera pas temps de trop traîner. Alors, on va reprendre la même destination Mendoza qu'il y avait. Ouais, alerte spoiler, je m'en fous. Puisque je ferai l'histoire bien comme il faut. Et je passerai les scènes et je jouerai tranquillement chez moi, évidemment. On va pas s'ennuyer. Ouais, peut-être un peu de clipping ouais, au chargement. Là, j'ai fait pareil. Non, c'était pas du clipping en fait, c'était simplement les ombres avec l'angle. Je pensais. Regardez ici. Regardez ici. Non, regarde. Bah, c'est pareil. Hein. Je regardais au niveau de l'ombre que j'avais regardé tout à l'heure. Hi there. Nice to meet you. Mais j'ai l'impression qu'il y a un clipping d'ombre quand même.
Sinon, c'est aussi fluide, c'est. Ouais, je. Pas de grande différence. J'ai juste vraiment cette impression qui. Ça me tape à l'œil généralement quand je vois du clipping. Et j'ai vraiment eu l'impression d'en voir jusqu'à présent dans plusieurs endroits. Mais sinon, non. Ouais, c'est plus ou moins le même jeu. Maintenant, on va s'intéresser bien évidemment à la version Series S qui, elle, devrait clairement moins faire next-gen. J'en suis persuadé. En tout cas. En tout cas, sinon, vraiment, pour les versions PS5, Xbox, vous serez vraiment content. Il n'y aura pas à dire. Tout se passera bien. Tout le monde sera bien servi. Soyez heureux, c'est le plus important, surtout dans ces périodes difficiles. En tout cas, merci. Vous me rendez heureux de plus en plus sur CNPlay. Merci pour votre présence, votre patience, vos abonnements. Et n'oubliez pas, dans la description, Instagram, Twitter, on reste en contact ensemble. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite sur CNPlay. En attendant, pour Hitman, vous avez la prochaine vidéo, c'est Series S. Ciao, ciao.